te tiens devant la demeure de mon maître forgeron, Bratan, un véritable virtuose du métal chez les Gorons. Tu as besoin de quelque chose? C'est qui, Bratan? Et c'est quoi cette voix que tu te payes? Maître Bratan est un vénérable forgeron qui a hérité des techniques anciennes. Et c'est ma voix parce que j'ai pas encore mué, j'ai que 3 ans. Bonjour, c'est le matin. Tu as aimé le massage, hein? Allez, reviens quand tu veux, mon petit. Il paraît que c'était la divinité protectrice des Gorons. Mais maintenant, on peut plus miner tranquillement à cause de lui. Et en plus de ça, il fait fuir les touristes. On le repousse tant bien que mal vers le cratère du volcan à coups de canon à chaque fois qu'il en sort. Mais il remet ça à chaque fois. Je me suis encore coincé le cul, putain. Aïe. Mais ça va? Mes reins me font un peu souffrir et un petit peu en dessous aussi. Mais attends une seconde, qui es-tu, Gringalet? Alors, moi, je suis un voyageur. Alors, comme ça, tu es venu jusqu'ici pour me saluer? Mon nom est Bulo. C'est Bulo, pardon, excusez-moi. C'est moi le crin, le respecté boss des Gorons, celui dont la seule vue inspire le silence au plus bruyant marmot. Je comptais me mettre en route pour repousser Rudania encore une fois. Mais mes reins me font atrocement souffrir, et mon coccyx encore plus. Et qu'est-ce que fiche ce bougre de Yonubo? Il a mis du temps à rentrer. Yonubo? C'est un jeune Goron qui m'aide à repousser Rudania. Il est parti chercher des antidouleurs pour mes verrins à côté, du côté de la mine abandonnée du Nord. Mais il ne revient pas. Bougre de nom d'un roc. Mais où est-ce qu'il traîne donc? Eh, Gringalet, si tu tombes sur Yonubo, dis-lui que je le cherche, d'accord? Ah, mon cul, putain! Madame, je souffre. Très bien. Souffre, mais souffre en silence, j'en peux plus. T'es un idiot? Alors c'est sûr, t'en auras besoin de tout plein! Brobé d'Inifu est seulement 60 robis, tu d'affaire. Eh non, c'est bon. Il sait même pas qu'il faut juste faire cuire des lézards inifus avec des ingrédients de monstre, il est trop nul, là. Pfff, qu'est-ce qu'il est de naze. Allez, à plus, espèce de bolasse. Ah, mon hic. Mais ça va? Ça va. Ça va pas du tout, Gringalet. Oui. Dans une vieille caillasse. On dirait bien que je vais pas pouvoir bouger de la journée. Gringalet, ça te dérangerait pas d'aller dire à Yonubo qu'on va pas pouvoir s'occuper du lézard? Il doit être du côté du pont d'Ordine. Je vais y aller, papy. Mais je suis pas ton pigeon, ok? Je te donne une fière chandelle! Si t'avais pas été là, je sais pas ce que j'aurais fait. Puis, le boss n'est toujours pas là. Je me demande ce qu'il fabrique. Alors, il a annulé parce qu'il a le cul en compote. Hein? Quoi? Vraiment? Mais pourquoi? Alors, je vais te raconter l'histoire de la sexualité des Gorons. Ne bouge pas. Les signes gravés sur le monument luisent faiblement dans l'obscurité. Je te l'ai déjà dit, mais t'as une tête de con, alors je te le répète, on ne sait jamais. Dis, tu aimes le poisson? Oui. Il a l'air bon, hein, ce poisson, hein? Je l'ai pêché moi-même, dans le coin, juste là. Si t'en veux, t'as qu'à te servir. Il y en a trop, de toute façon. Je pourrais jamais tout manger moi-même. C'est pour ça que j'ai fait tout cuire, parce que je suis un peu con. Mais il va falloir une meute de beurre et un turbomax, et je n'en ai plus. Les tâches ménagères m'occupent tellement que je n'ai pas le temps d'aller chercher les ingrédients moi-même. Du coup, on mange du gravier tous les jours, j'en peux plus. Tu m'as l'air plutôt balèze, dis-moi. Ça te dit pas d'aller leur botter les fesses? Y a pas de problème, mon pote. Ouais, voilà ce que j'aime entendre. Si tu vas à la place d'Arezzo, tu verras que les monstres y ont monté un camp. Je vais pas te faire l'affront de t'expliquer ce que tu dois en faire. Hein. Tu les prends et tu les massacres. Je veux du sang, je veux que ça soit sanglant. J'ai une autre question. Alors les ruines qui sont au fond... Eh bien, je te coupe la parole, mais tu vas me laisser parler. Ça importe peu, finalement. Je vais te poser une question. As-tu déjà vu une fontaine de grandes fées? On raconte qu'il en existerait plusieurs dans ce bas-monde. Non seulement elles seraient splendides, mais en plus, les pouvoirs mystérieux y seraient cachés. Je n'ai pas encore réussi à les trouver, mais... J'ai entendu une rumeur dernièrement. Il se pourrait bien que l'une d'elles soit située près du village Cocorico. Alors papy, tu me l'as déjà dit plein de fois. À vrai dire, il s'agit de mon village natal. Ça aussi, tu me l'as déjà dit plein de fois. Cela fait des lustres que je ne suis pas retourné. Papy, tu radotes. Ce serait l'occasion peut-être d'y retourner, mais... Mais attends, j'ai pas fini de te parler.